Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts après s'être propulsé en l'air avec un rebondisseur. Donc les rebondisseurs, c'est ceci, et les rebondisseurs, vous allez pouvoir les trouver au sol, posés comme ça, ou alors vous allez pouvoir les trouver dans les ravitaillements. Donc, dès que vous aurez trouvé un pad, donc un rebondisseur, un pad bleu, bah là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire, juste après avoir utilisé le rebondisseur. Donc hop. Attendez. Voilà. Par contre, c'était bizarre parce qu'on aurait dit que j'avais fait 3 de dégâts. Je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, bref. C'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un adversaire. Et ensuite, je vais devoir infliger 352 dégâts à l'adversaire pour terminer le défi. Alors, je vais essayer une technique. Je vais mettre un rebondisseur par terre. Donc pour mettre un rebondisseur par terre, il faut que changer. Voilà, je vais prendre ça. Voilà. Et je vais essayer d'infliger des dégâts au PNJ qui est juste là. Oh bah regardez. Infliger des dégâts. Bon en fait il est bugué le truc hein, parce que je touche personne et ça inflige des dégâts. Donc là je crois qu'il y a un petit bug. Mais tant mieux, bah voilà, tant mieux s'il est bugué. Normalement ce que vous devez faire c'est infliger des dégâts. Je pense que ça fonctionne contre les PNJ, donc les personnages non jouables. Et je pense que ça fonctionne contre les requins, contre les adversaires aussi. Mais là, le mec en profite. Et il profite de mon pad lui, il croit que ça l'a fait ou quoi. Ok, donc dès que vous aurez infligé 352 dégâts après être propulsé d'un rebondisseur, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Oui. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuluMec et ciao. Peace. Dumb me.